Qu'est-ce qu'il nous prépare? Là, je vais préparer la sahanoute. Rien de coriandre. Ça va être barco nana. Ce que je plante à la maison, après je fais sécher et je mets là. Ça. Je ne reviens pas de tout ce qu'il y a là. Si, il y a beaucoup d'ingrédients dans la sahanoute. Et pourquoi c'est toi qui le fais? J'aime bien le faire quelque chose sur mes mains. J'aime pas, je te fais, je ne vois pas ce qu'il y a dedans. C'est comment on appelle en français? Clou de girofle. Clou de girofle. Ça sent bon. Hey, t'as mis les lunettes? Là, on va faire quoi? Grain par grain? Grain par grain. Regarde, je fais comme ça. Si jamais il y a quelque chose, je la vois. Il peut y avoir quoi? Il peut y avoir une pierre, un bout de terre. Chose indésirable, on les laisse. Et après, on le met au soleil. Tu vas laisser au soleil combien de temps? Jusqu'à que l'ail sèche. C'est ça qui donne le secret de la sahanoute. On met sur la tour de contrôle. Regarde. Si on le met ça, on va manger. Regarde. Pas bon. Même le laurier, moi, je le lave. Je vais enlever feuille par feuille. Je vais le laver. Alors, le contrôle, ça va? Ça se passe bien? Il y en a beaucoup de choses à enlever. C'est minutieux, hein? Ah oui, ça non, il faut pas quelque chose qu'on va manger, il faut être minutieux, il faut pas laisser. Là, il est mouliné. Après, on met tous les ingrédients. Mmh. Ça a une odeur. Voilà, ça sent très bon. On va arriver à ça. Quand on met à manger, on met juste une petite cuillère. Pour 4 personnes, on met la petite cuillère là. Regarde, ça suffit. Mmh. Tu mets rien d'autre avec. Ça sent dans toute la maison maintenant. L'ail. Voilà, on laisse sécher, puis après on va terminer. Pas mettre ça. À part l'ingrédient, voilà. Ça c'est quoi? Ça c'est les graines de fenioul. 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 Hein? C'est ça ou pas? Fenouil. Fenouil. Fenioul. Plastique. Là, on va enlever feuille par feuille. Tu vas m'aider. Je vais les nettoyer demain. Mmh. Les mettre au soleil séché. Mmh. Le temps que le thème aussi sèche bien, mmh. Et on va mélanger tous les ingrédients. Je vais les Il y en a des choses, hein? Il y en a beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi comme naturel, hein? Voilà. On a terminé. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Ça y est, on amène au moulinet. Il est prêt. Ça sent bon. Il n'y a pas beaucoup de piment, hein? C'est dommage. Moi qui aime bien tout ce qui est pimenté. Mais ça va.